quand je suis arrivée, que j'ai écouté tout le monde parler, c'est vrai que je me sentais un petit peu, non pas à part, hein, c'est pas, mais avec le public qu'on a, c'est vrai que la parole, la prise de parole et la citoyenneté, c'est un peu lointain, je m'explique. En fait, nous avons des personnes qui n'ont jamais revendiqué un quelconque droit. Et qui plus est, on les a mis dans des situations où on les a mis à l'écart. Donc, construire une parole, revendiquer, ça n'a jamais été pas leur désir, mais en tout cas, on leur a pas donné les moyens. Nous avons une population qui a été un peu extraite de leur pays d'origine et de leur village, souvent, hein, c'est des villages, avec très peu de connaissances en matière des effets de la démocratie, je dirais, savoir se positionner en tant qu'individu à part entière, revendiquer un droit. Donc ça, on ne leur a pas laissé. On les a exclus, hein, pendant des décennies dans des habitations qui étaient loin de tout. Donc, pas de socialisation, pas de relation avec les autochtones. Et puis on leur a fait intégrer. Et eux-mêmes, après, ont partagé ce choix-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas vivre durablement en France. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les textes des années 50 aux années 70 portaient le terme de n'ont pas pour vocation de rester en France et d'y vieillir. On a tellement donc impulsé, je dirais, que les personnes, ben, se sont réappropriées quelque part, hein, cette démarche de retour, et finalement se sont retrouvés un petit peu perdus à l'arrivée de la vieillesse, sans entourage. Donc nous avons un public qui ne revendique pas, qui n'est pas dans une démarche où ils veulent acquérir un droit à la citoyenneté, le droit et l'exercice à la citoyenneté, parce que tout simplement c'est des personnes qui ont un titre de séjour, qui ne peuvent pas voter, et dont le poids ne pèse pas, hein, sur les décisions des institutions ou des politiques. Au départ, je me disais que voilà, la place n'était pas évidente, mais du coup, après, j'ai retrouvé, je dirais, les mêmes éléments de réflexion que nous, on a, l'équipe, on a, et avec le public, que celle qui est partagée par des structures qui travaillent auprès des familles, auprès des jeunes, avec peut-être pas les mêmes termes et les mêmes thèmes, mais en tout cas, c'est vrai que la problématique de la discrimination, du mépris vis-à-vis de cette population, de la non-reconnaissance de la place, de leur place dans la société, et encore moins maintenant qu'ils sont vieux, effectivement, et se cale complètement à ce qui s'est passé ce matin.